En 21 ans de vie, je n'ai encore jamais fait ça. Aujourd'hui, je vais conduire. Vas-y, allume. Non, je me sens mal. Allume. J'ai des sueurs, genre. Tu regardes jamais tes rétros ou quoi? Quel rétro? J'ai même pas regardé une seule fois, j'avais oublié qu'il y avait des rétros. Y'a un problème là. Oh là là. Y'a un gros problème là, non? On a crevé? Bah... je me demande, ouais. Y'a un truc que vous devez savoir, et vous allez me juger, je n'ai pas le code et je n'ai pas le permis. Mais c'est pas ça qui est honteux. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas le code et je n'ai pas le permis. J'ai honte de dire, mais je dois le dire. Je n'ai pas ma journée d'appel. J'ai rien en fait. J'ai loupé ma journée d'appel. Jugez-moi autant que vous voulez, j'assume. Ce qui fait que sans cette journée d'appel, on ne peut pas passer de permis, on ne peut pas passer de code, on ne peut passer zéro examen. Et au final, les années passent. Et voilà comment on se retrouve. Je ne sais même pas si j'ai le droit de vivre sans ma journée d'appel. Je suppose que oui, parce que je suis là. Mais malgré tout, c'est très grave. Là, on est sur une vidéo illégale. Il faudrait que je passe le cap, que je fasse la demande pour faire ma journée d'appel. Dites-moi s'il y a des gens qui l'ont fait plus vieux, comment ça s'est passé pour vous. Et rassurez-moi, dites-moi qu'il y a des gens dans mon cas. Genre les gens, quand je leur dis ça, sont choqués. Ça me fait encore plus peur en fait, j'ose plus rien faire. En tout cas, il y a une première fois à tout, car aujourd'hui je vais essayer la conduite avec la voiture de mon mec. Je ne sais pas ce que ça va donner, je vous rassure, je vais pas conduire sur la route, c'est totalement illégal. On peut s'entraîner sur un parking, mais attention hein, pas de bêtises. Je ne sais pas quoi m'attendre, parce que quand je vous dis que j'ai pas le code, c'est pas juste j'ai pas l'examen, c'est j'en suis au niveau où voilà, il y a un panneau dans la rue, je ne sais pas ce qu'il veut dire. Bon courage. Attendez là, avant qu'on y aille. On doit parler de la première sponsor de cette année 2023, Evenco. C'est bon, je vous les présente plus, vous les connaissez. Culottes menstruelles qui changent la vie. C'est incroyable, ça remplace totalement les tampons, les serviettes hygiéniques. Pourquoi j'aime? C'est une culotte que tu mets, donc tu ne sens rien, littéralement, c'est une culotte. C'est beaucoup plus écologique car c'est lavable. Vous mettez ça en machine, tac tac, c'est fini. Pas d'odeur, pas de gêne, pas de ressenti, je sais pas quoi. Il y a plusieurs modèles différents, mais franchement, c'est incroyable. Et puis au final, c'est un investissement à faire une fois. Après, vous n'avez plus aucune protection hygiénique à acheter. En plus, c'est un investissement certes, mais quand même pas si gros parce qu'on a toujours des très beaux codes promo avec Evenco. Ils me donnent toujours les meilleurs. Merci. Tout d'abord, si vous voulez une culotte classique, on a la culotte Aura. Vraiment, une culotte classique noire. On est bien d'accord, les culottes qui nous coupent les fesses, j'en ai marre. Clairement, j'en parle comme si je parlais de n'importe quoi dans mes vidéos. Mais franchement, il faut qu'on en parle. C'est pas joli, on n'a pas envie, en plus d'avoir nos règles, de devoir subir ça. Et avec les petites dentelles, c'est beaucoup plus fin, donc c'est très cool. Culotte Aura, basique. Ensuite, on a le Shorty Eden. Donc, comme son nom l'indique, c'est un petit shorty. Moi, j'adore le mettre pour la nuit. Genre, c'est parfait pour la nuit. Et ma culotte préférée de tous les temps. La Maya. Pareil, je dis toujours la même chose, mais elle me fait un ventre plat quoi. Je sais pas, la forme, le fait que ce soit plus fin devant, ça me fait un ventre de ouf et je me sens trop bien quand je la mets. Je l'adore. En ce moment, c'est les soldes et comme d'hab, j'ai un code qui est cumulable aux soldes. Pour une culotte, vous avez moins 20% avec le code Andy20 et pour deux culottes, moins 30% avec le code Andy30. Et c'est que pendant les soldes, donc dépêchez-vous. Je reçois tellement de messages de gens qui me disent que ça a changé leur vie et qui veulent en commander encore. Donc on peut pas se tromper. Très contente de cette nouvelle offre. Evenco pour débuter l'année. Bonjour. Vous savez qu'on est le lendemain. On n'a pas pu tourner ça finalement hier. Mais tout va bien. Je suis quand même prête. Ça commence? C'est même pas s'attacher. C'est toi qui essaie de donner des conseils là. Où est-ce que tu nous emmènes? Parce que là sur la route, moi je peux pas conduire. Je sais pas, c'est une sorte de... Un parking? Pas un parc. Non. C'est genre une sorte d'étang. Yeah. Et genre autour. T'as pas peur pour ta voiture là? Non mais y a personne normalement. Ok. Nous ne mettons pas de vie en danger aujourd'hui. Non. Par contre tu vas rentrer dans un arbre. Tu te sens rigolant, mais rigole hein. Là, mais tu vas vraiment conduire beaucoup, tu penses? Jérémy, en fait, je sais pas conduire. Tu vas essayer de conduire. Attends. Je ne sais même pas là les pédales, à quoi elles servent. Mais déjà, c'est triché, c'est une automatique. Je ne connais même pas la différence. Il y a pas les vitesses à passer, donc c'est plus facile. Ok. Ah, il y a du monde. Je voyais ça beaucoup plus de désert. C'est en cette là? Ouais, non. Il y a un arbre sur la route. Ça commence. Ça va être compliqué là. Ouais, la voiture, elle va être ruinée là. En vrai, là, tu vois. Ouais, là, c'est pas mal. Ici là. Est-ce que je puisse y accéder? Là y'a personne. Comment tu veux que j'y aille? Ah j'avoue, il y a une grosse flaque. C'est une flaque là, c'est une... Peut-être par l'autre côté. Là c'est bien, va le plus d'air possible, comme ça j'ai de la place. Ah tu veux bien conduire toi? Je veux foncer là comme ça. Ouais, t'as craqué. Go. Faut que je me mette en tenue. En tenue d'attaque. Moi quand j'étais petit, mon père il me mettait sur ses genoux et je conduisais dans la ville hein. Ouais mais t'es né en l'an 40, c'est ouais, normal. Dans la ville, et genre j'étais sur ses genoux et je conduisais mais normal. Je suis prête là. Apprends-moi à conduire là, je veux conduire. Après je te prendrai ta voiture sans te le dire. Donc t'as une pédale à droite, une pédale à gauche, le frein et l'accélérateur. Ouais non mais attends, mais sous de ma
Lui, il me fait ça en 3 secondes. Explique-moi correctement, non? Là, j'ai l'accélérateur. À droite. À droite. Il y a que 2 pédales. Bah oui, c'est une voiture automatique. Ok. Genre là, quand on fait genre des heures et des heures d'autoroute, t'as toujours le pied. Ah bah oui. Posé, et genre t'as toujours le pied. Bah oui. T'as toujours le pied, genre à la même hauteur pour ouais. pas bouger de vitesse. Et ouais. Oh my god. 10 heures d'autoroute. C'est horrible. Bah ouais, c'est pour ça que c'est chiant de conduire. Ah. Et toi, tu me dis, tranquille. Tu sais comment ça marche la vitesse? Non. Bah. J'aime pas ce regard. Change-le. C'est un regard qui me juge. Tu dois appuyer sur le frein pour changer les vitesses. Attends, j'appuie sur le frein. Tu dois appuyer sur le frein pour pouvoir changer les modes de... Tu comprends? Ouais, je le sens pas, ok. Par contre, t'appuies tout doucement, genre. Tu me fais trop bader. Non, vraiment? Tout doucement? Là, par contre, t'es toute seule, genre, je peux rien faire. Arrête, Jérémy. non, c'est pas drôle. Non, mais tu sais que c'est pas drôle. Bah ouais, mais je te le dis. On échange de place, là. Bah oui. Non mais là je sais pas quoi faire Jérémy. Non mais en fait je suis très nerveuse. Ouais mais fais pas n'importe quoi. Non mais arrête de me dire ça parce que ça me met la pression. Je vais faire n'importe quoi. J'ai jamais pas fait n'importe quoi dans ce genre de moment. Ok. Non pas de ok. Ça te fait rire? J'ai peur. Vas-y appuie. Ah ça s'enfonce. T'as tombé sur le fond ou pas? Oui. Doucement. Tout doucement, tout doucement, genre, tout doucement, au fur et à mesure. Ah, tu peux. Tu vas le sentir. Ça va, si je lâche d'un coup, on va mourir. Non, bah non. Ah, peut-être qu'il faut accélérer en fait. Ah non. J'ai trop peur. Et là, par contre, ça peut pas accélérer plus. Ça t'accélère pas. Voilà, vous êtes assis qui est moteur. Voilà, exactement ce qui se passe. J'ai fait exactement ce que tu voulais voir. Excès de confiance. Là, ça va. Donc là, je peux freiner. Je peux freiner d'un coup. Bah, on va voler, mais vas-y. Ah ouais. Voilà. Attends, donc là, si je descends, ouais. Là, ça va avancer. Non, parce qu'il faut mettre le frein pour déjà. Vas-y, mais fais-le sans le frein, tu vois. Non, c'est bon, ça va. Vas-y, tu vois ce qui se passe. Non, ça me fait peur. Non, il va rien se passer, justement. Vas-y. En bas. Ouais. Tu vois. Je fais ma vie, hein. Comment tu veux qu'on aille où? Bah non, mais attends, stop. Non, mais freine pas comme une malade. J'ai oublié que c'est sensible. Je fais quoi? Faut qu'on tourne. Bah ouais. Mais là, on n'est pas large du tout, là. Bah, on va faire une marche arrière. Ok, bah je vais. Vas-y, viens, on essaye. Attends, là, faut pas abuser de mes limites. Accélère. Oh non. Accélère un tout petit peu. Bah, je sais pas en fait ce que c'est un truc. Non, mais là, tu peux pas me demander la première fois que j'appuie sur l'accélérateur. Bah, on est bloqué, sinon, faut que je fasse moi-même la marche arrière. Un tout petit peu, mais je connais. Genre un micro chouïa. Ok. Ou c'est rapide là. Ouais, c'est rapide. Non, c'est bon. C'est rapide. Vas-y, mais freine doucement, genre. Voilà. T'as vu comme je suis forte? Ouais, voilà. Avance un peu. Ok. Et après, tu tournes à fond. Donc, je me fonce à la grille et après, je fonce. Non, tu vas pas à gauche, tu vas. Bah, un minimum pour en prendre large. Ah, tu sais faire? Bah, je faisais des jeux de voiture quand j'étais petite. Ah, ok, bah ouais, vas-y, prends large et tourne. Ah, mais ça va vite là. Ça va plus vite que tout à l'heure. Non, c'est 6 km/h, c'est ce que là. Vas-y, bah tourne. Bah, 2 secondes, tu permets, je prends un peu large. Non, mais là, c'est bon, là, tu fais trop large. Non, mais ça va, tu vas pas me prendre à conduire quand même. Putain, t'es vraiment une galère. Non, mais là, tu fais de la. Là, va à droite. Non, mais il y a un trottoir. Oh, c'est tourne, tourne, tourne. Non, mais le volant à l'envers, ça me fait très peur. Tourne, plus. Vas-y. Si j'arrive du premier coup, la tête de ma mère, plus jamais tu me donnes un seul conseil dans ma vie. Oh là, vous voyez ce que je vois? Putain, vas-y, on se casse. Ok, j'accélère un peu maintenant. Ok, non, je vais faire confiance parce que j'ai très peur. Attends, je vais freiner. Je freine doucement. Je m'en sors bien. Avoue, je m'en sors bien. Ouais, c'est bien. Quand j'étais petite, j'étais addict au jeu. En fait, j'avais un jeu sur mon téléphone. J'étais vraiment addict. Je faisais des créneaux. Et donc, je pense que dans ma tête, juste j'arrive à voir comment ça se passe. C'est le seul truc que je sais. Enfin, dans ma tête, en tout cas. Là, j'accélère. Hein. Là, je suis à combien de kilomètres heure là? T'es à 5 km/h. Ok. T'inquiète, je vais freiner. Ouais, 11 km/h. 12, 13. Mais comment tu fais pour rester à la même vitesse tout le temps? Genre ton pied, il doit rester au même niveau. C'est une dinguerie ce que tu me dis. Ça va, franchement, tu conduis bien. Hein. C'est vrai? Bah ouais. Ok, je vais te montrer comment je conduis maintenant. Déjà, je sais pas freiner, mais vas-y. Oh, oh p***. Désolée, je vais te dire un truc. Tranquille, hein. Là, t'es en deuxième, là. T'as carrément passé à vitesse. 15, 16, 18. Et va pas trop à gauche. Mais Jérémy. Voilà, ça commence. Non. Oh là, pas jamais ton permis, je t'en supplie. Pourquoi? Parce que tu vas être une calamité. N'importe quoi. Regarde, quelle calamité! Regardez la route! C'est nickel! On y va là. Et voilà. Jérémy, 20 km/h, arrête d'abuser!
Tu vois ce coup de main là? Est-ce que tu m'imaginais comme ça? Non, moi, franchement, tu gères. Hein. En train de conduire. Pour une première fois, tu gères. C'est vrai? Ouais, bah ouais, de ouf. Je me rends pas compte de la. Vas-y, qu'est-ce que j'ai dit? Andy, arrête, t'as craqué ou quoi? T'as peur? Non, mais t'as complètement. Oh, craqué. Comment t'as peur? Non, mais t'es une malade, t'as mal permis, mais... t'accélères comme une malade. Jérémy, on est dans un rond. Bon, on y va. Non, mais t'as complètement craqué. Stop. Non, mais. Ouais, je suis non, choqué. Ça va. Comment tu prends Jérémy, la... c'est comment tout droit. Tu prends la confiance. Franchement, je me débrouille bien. Et tu sais ce qu'on va faire après? Tu vas. Merde. Désolée, je ne sais pas conduire, n'oublie pas. Regarde, je conduis à une main. Tout est sous contrôle, en fait. C'est ça le truc. Bien. Comme ma mère. Oh, ma mère. Non, je peux pas l'imiter parce qu'on va avoir un accident. Tu sais ce qu'elle fait avec le volant? Parce que... oh. Ah, t'es horrible. Elle fait ça. Oui, parce qu'elle a pas la direction assistée. Fais gaffe, il y a une voiture, stop. Oh, la tête de ma mère. Oh là là. Oh non, mais vous, hein. J'espère qu'elle va sur le parking, hein. Elle va me b***er mon parking, hein. Non, ça me fait pas rire. Je vais lui montrer à qui est le parking. Tu m'as fait peur. Bah, il y a une voiture qui double. Tu regardes jamais tes rétros ou quoi? Quel rétro? J'ai même pas regardé une seule fois, j'avais oublié qu'il y avait des rétros. Il y a pas de voiture, il faut que je regarde dans les rétros. Oh, il y a une voiture. Oh. À vous quand même, je contrôle. Regarde la route, je t'en supplie. Mais je regarde. Non mais attends. Je vais freiner doucement. Attends, je te préviens. On est d'accord que t'es un forceur là. Le mec il me dit regarde la route. Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait devant la route? Y a bah, rien. Une voiture. Elle peut arriver par devant. Là aller... j'essaie de faire un créneau, enfin de tourner mais en arrière. Vas-y. Ok donc là... Dans l'autre sens. Ok je vais aller un peu plus doucement. Ok par contre là je vois rien. Tu vois là par exemple, j'ai aucune idée de si le derrière c'est loin derrière ou si c'est pas loin derrière. Ouais mais ça c'est dur ça, mais t'as une caméra normalement. J'ai l'impression qu'il y a 400 mètres, quand je me retourne pas du tout. Il n'y a pas 400 mètres, hein. Non mais il n'y a pas 400 mètres. Tu prends tout au pied de la lettre Oh là t'inquiète, je gère. Attends, c'est dans quel sens que je dois mettre le volant? Là, je fais quoi? Je vais de l'autre côté, hein, on est ouais, d'accord? Ouais, tourne à fond sans même bouger. Reste le pied sur le frein. Ah, c'est ça que vous faites? Tu ouvres rien, le toit ouvrant. On fait la teuf. Ouh, j'apprends à conduire. Dans ma voiture. Avec mon cam. Vas-y, t'es très calamité. Si un jour j'ai une grosse voiture comme ça, j'aurais trop peur de la conduire. Bah, surtout que toi, t'es archi dans ta lune, en fait. Je vois pas comment tu peux conduire, honnêtement. Moi non plus. Je vais être en pilote automatique, je vais être comme ça sur la route. Ouais, mais c'est que ça me fait flipper parce que enfin, tu peux pas être comme ça sur la route. Il y a des gens qui peuvent pas conduire, toi je pense que tu pourras pas trop conduire. Mais les gens ils savent pas que j'ai un problème. Est-ce que c'est le moment de le dire? Bah, j'en sais rien, mais moi je pense que tu pourras. Je pense que tu pourras j'ai conduire un problème. À des moments. Bon, c'est pas le moment, je vous le dirai peut-être un jour. Non, Jérémy, s'il te plaît, j'ai pas encore le permis, me fais pas de faux. Vas-y, stop. Mais non. Mais si, il faut arrêter là, c'est pas un jeu. Non, mais non, je fais encore 2-3 tours. Franchement, ça se fait pas, t'es égoïste. Pense à moi, ça fait 21 ans que je rêve de faire ça, et là t'es là, tu me stoppes dans mon élan. Bah non, ça se passe pas comme ça. Comment on règle un rétro? Ah, mais là, c'est génial en fait, tu vois tout. C'est le principe d'un rétroviseur, d'inventer le rétroviseur. Ah, tu fais trop le mec, hein. C'est bon, on a compris que t'étais vieux, t'avais le permis depuis longtemps. On va se prendre un arbre, bien lui, on va se prendre un arbre. Ça me donne envie de passer le permis, tu vois. Non, mais je sais pas qu'elle va se garer là, ça me fout le seum. Oh là, je la sens pas celle-là. Oh, je sens que c'est elle qui va m'aider ma journée. Oh non. Voilà. Comment ça annonce la fin de la session. Non, je veux pas. Ah bah là, tu vas sûrement pas conduire avec une voiture garée, hein. Je suis sérieux. Mais t'as pas le permis. J'aimerais trop l'avoir. Mais genre, pas le passé, juste l'avoir. Jérémy, il y a de la place. Non, tu peux tourner mort, là. Jérémy, il y a l'autre bout. Là, t'es en train de. Là, tu fais. Non, là, tu... Non, non, en fait, c'est. Là, t'en profites en fait. Profite de ton rôle. Non, mais ça se fait pas. Bah, c'est comme ça. Il y a des voitures, c'est mort. On va pas non plus faire n'importe quoi. Tu vois bien que depuis tout à l'heure que je gère, je dois te prouver quoi de plus. Non, sérieux. Non, mais c'est interdit, tu te rends pas compte. Jérémy, un tour. Mais d'ailleurs, pourquoi je te demande alors que c'est moi qui ai les commandes? Si je mets vers le haut, je recule. Mais je peux reculer tu n'as pas un le tout permis, petit peu. Andy. Je fais. Ok, alors ok, on fait un dernier truc. Je fais un dernier tour, un dernier rond. Je recule et je tourne là, au bout de la ligne verte, là, tu vois, ici. Ok, après on se casse. Oui, on s'en va après mon rond, c'est bon? Ça te fait rire? Moi, ça me fait pas rire. Je te vois, hein, ton sourire coin des lèvres. Tu vois, en plus, je fais ça comme une pro et en plus, je me fais juger comme une grosse. Dernier tour, la faute à qui? T'inquiète, c'est bon, je gère. Faut le rassurer en plus. En plus de conduire, faut le rassurer, je rêve. J'hallucine. Comme tu peux le voir, je gère. Vas-y, arrête. Donc, mais pourquoi tu tournes? T'as craqué toi? Non, mais on est dernier tour. Bah, ah, donc tu te remets comme avant? Ouais. Okay. Je me pose là-bas. Arrête. C'est rien, je me pose. C'est trop là. T'as pris la confiance en... Dans l'espace de la vidéo, t'as pris la confiance. Bon, vas-y. Non, mais c'est bien parce qu'on a tout filmé, genre. On sait comment t'es maintenant. Franchement, tu m'énerves.
Non mais attends, tu t'écoutais, tu rentrais à Versailles avec. Mais en fait j'aime trop conduire, on ne comprend pas. Je veux faire un tour. Un tour sur le parking. Non, c'est mort. Un rond full sem. Bon, j'ai adoré sinon. C'est incroyable de conduire, j'ai envie de passer le permis. J'ai réalisé un de mes rêves aujourd'hui, j'ai conduit. Qu'est-ce que t'as pensé de ma conduite? Dis la vérité. Franchement, non, c'est bien. C'est vrai? Ouais, mais juste tu prends trop la confiance. Ok, t'as aucune, ça on a compris Jérémy. Aucune notion du risque, aucune notion du danger. Non, n'importe quoi. Aucune vérification. Le mec il m'apprend à accélérer, à freiner, c'est ce que je fais. Si tu m'apprends pas à regarder dans les rétros. Je sais que même avec le code, même avec des rétros bioniques, tu vas pas les regarder, genre. N'empêche que si un jour on a une urgence, je peux t'amener à l'hôpital. Je sais pas. Non, parce que vu comment tu freines, je vais plus perdre mon sang. S'il y a une urgence sur un parking, tu peux m'emmener à l'autre bout du parking. Ouais. Okay. Direct. C'est bien. Écoute. Y'a un problème là. Oh là là. Y'a un gros problème là, non? On a crevé? Bah. Je me demande, ouais. Ah non, mais c'est sûr, y'a un problème là. On a pas crevé là, si? Non, mais il est bien mou. Il est mou, mais il a pas crevé. Il doit y avoir un truc de coincé. Vas-y, je vais rouler vite fait, tu le dis. Bah non, je vois rien. Il se casse. C'était juste pour me laisser. Allez là! Oh putain, voilà. C'est vraiment un débile, vous voyez, c'est ça le problème. Non, là, c'est chiant, c'est super nul comme blague. Personne fait cette blague en 2023. T'es pas drôle. Mais par contre, j'ai une proposition à te faire. Si tu veux, comme je connais rien en voiture, je peux conduire comme ça. Toi, tu regardes. S'il y a un truc au pneu. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? On va mettre de l'essence. T'as déjà fait? Non. Je sais même pas les différences entre les trucs, je sais même pas. Sérieux, tu sais rien? Je sais rien. Oh là là. Vas-y, je te laisse tout faire toute seule. Non, mais Jérémy, je vais mettre n'importe quoi, je non, sais. Non, 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 tu mets du gasoil. Ok, mais. Mais encore? Pas ton service, hein. Non mais ouvre. Laisse ouvert, hein, j'ai des questions à poser. Mais moi le plein, genre. Mais pardon. Non mais sérieux, allez. Mais Jérémy, je sais pas faire. Bah, apprends. Mais déjà, ça s'ouvre comment, ça? Oh, waouh. Ah, non mais là, ça me fait peur. Déjà, elle va où, ma carte? Là. Allez vous servir à la pompe 1. Mais attends, j'ai peur. Déjà, pourquoi ça veut pas? Non mais attends. Ah, ok, mais il y avait un truc. Oh, j'ai peur. J'ai peur de faire des bêtises. Je suis la seule débile qui se filme à la station d'évidence. Voilà, c'est bon, là, c'est fini. 35 balles. Comme ça, pour 3 tours de parking. Oh là 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 là, dinguerie. Bah, ferme le bouchon, espèce de... Non mais... Devinez ce qu'on va faire. On va manger un McDo. On est quelques heures plus tard. On s'est dit que ça pouvait être cool. On va jamais au McDrive. Mais on a jamais de voiture surtout parce bah, que... Ah mais j'avoue, tout le monde aura que c'est ta voiture. C'est pas ta voiture, c'est une voiture qu'il loue pour le travail. Donc on la va tout le temps, clairement. Drive, à droite. Est-ce qu'il y a genre un... Comment ça s'appelle? Excuse-moi, je vais jamais au McDo, j'ai aucune idée. Un Royal Cheese. Oh là là. Est-ce qu'il y a un Royal Cheese? J'en sais rien moi. Bah moi non plus parce qu'il n'y a pas le panneau. Quoi, tu veux quoi? McWrap. Bah il y a quoi comme McWrap? Je sais pas, il n'y a pas de panneau. Il n'y a pas de panneau. Il n'y a pas de panneau. Moi je suis team O. Au McDo, personne n'est team O. Si, moi je suis team O, mais j'avoue le coca là, il est en train de me... Depuis les États-Unis, ça m'a... Ouais, t'es team coca quoi. Ouais, moi je veux bien des frites, mais je veux bien une sauce de luxe parce que sans sauce de luxe, mon repas sera gâché. McWrap. Poulet, bacon, okay. Eau et frites, une sauce de luxe, un menu maxi best-of, McChicken, frites, eau, avec un double cheese. Merci, bonne soirée, au revoir. Pourquoi il est froid? Je sais pas moi, va demander. Il y a rien. Vas-y. Ah bah t'as tout là. Hein. Non, ma sauce. C'est non. 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 Non, 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 je peux pas accepter. Ah bah. Non, j'ai remis ça dans. C'est pas drôle. Mmh. Vas-y, 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 vas-y. On peut pas mettre de la musique? Non, droit d'auteur. Vous savez, là, c'est dur pour nous. On supporte pas les bruits de bouche et là, on s'entend parce qu'on est obligé de mettre de la musique ou un film ou un truc quand on mange. Franchement, je l'apprécie pas comme si. Ouais, c'est dur, mais y a des droits d'auteur. Si j'avais meilleur pote, je les mettrais. Ok, en fait, tu rends le truc encore pire. On pourrait essayer de faire comme si d'un été. T'es obligé d'en rajouter une couche, c'est encore plus dur après. La dernière fois que t'as mangé un McDo, t'as vomi, donc. T'as un même temps. J'ai pas obligé de tout raconter sur YouTube. C'était au Nouvel An? La veille. La veille du Nouvel An. On a fait la fête le 30 et on devait sortir le 31. On a tellement fait la fête que j'ai vomi, si vous voyez ce que je veux dire. Non, j'ai mangé un McDo pour tenter d'aspirer, ça n'a pas fonctionné. J'ai fait un rejet. Les wraps, c'est vraiment les gens chelous qui mangent des wraps. Mmh. Va dans un Mexicain, frère, si tu veux des wraps. Vas-y. Double cheese, c'est une invention de Dieu. Ça te fait suer? Est-ce que t'as déjà mangé un sandwich américain? Baguette, steak haché, frites dedans. Ouais. Frites dans le sandwich, faut être un grand malade. Ouais, oh, ouais. Comment c'était bon? Faut être un malade. Ouais, complètement. Bah ouais. Un malade.
C'est pas possible d'être dans cet état-là. J'étais sur mon ordi depuis tout à l'heure, je m'endormais sur l'ordinateur. Les McDo, c'est vraiment pas fait pour moi. Mais bon, c'est bon quand même. Jérémy, il est pas là. Il va me rejoindre pour aller dormir. Depuis tout à l'heure, je lui envoie des messages. J'ai envie de conduire. C'est trop bien. Mais en vrai, ça me donne vraiment envie d'avoir le permis. J'aimerais trop découvrir une passion pour les voitures et que cette passion fasse que je vais avoir une espèce de grosse déter de faire ma journée d'appel code et permis comme ça en un an. J'aimerais beaucoup. En fait, je me sens en dessous de tout le monde en n'ayant pas de permis. Je me sens comme une... Que ce soit clair, faut que ça change. Bref, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Ne faites pas ça à la maison. C'était exceptionnel dans un endroit où il y avait absolument personne, avec quelqu'un qui a des années d'expérience. Et surtout, il y avait pas de vitesse. Hein. Je suis allée à 20 km/h pendant 2 secondes. Ne conduisez pas sans permis. Je me doute que vous allez pas le faire, mais on sait jamais. Je préfère le dire. Pas que cette vidéo montre le mauvais exemple. C'était cool de faire ça. Ça m'a beaucoup plu. Vous savez que ça fait très longtemps que je sais que je vais faire cette vidéo et j'avais hâte, mais j'avais peur. Et là, je suis très contente. Vous savez qu'on se revoit mercredi pour une prochaine vidéo, vu qu'il y a une vidéo tous les mercredis et les dimanches. D'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifs si c'est pas déjà fait. Mais c'est une vidéo qui me tient très fortement à cœur. Vous allez voir, je vous en dis pas plus, mais je pense que ça va être très cool. Ça risque d'être un peu triste. Enfin, je vous en dis pas plus. Il y a mon Insta qui est en barre d'infos, comme d'hab. Allez checker. Et nous, on se retrouve mercredi prochain dans une prochaine vidéo. Mouah.